la corruption, l'autre là, c'est harcèlement sexuel. Maintenant, d'un côté, ils ont utilisé la raison, d'un côté, ils ont utilisé la tort. Maintenant, Haïti, pas qu'à faire back sous ça, mais moi, m'a dit, faut que nous raisonnables, faut que nous pas craser l'État. Mener combat, quand pas contre la corruption, mener combat politique, j'en ouvrais, mais préserver l'État, parce que tout le monde qui est en opposition, je veux dire, qui aspire sur le pays, là, nous arrivons dans ce pays, on a besoin de l'État pour nous diriger. Et puis, pas oublier le proverbe qui dit, pas camarade ou prince qui fait, mettez pas à la trempe. Monsieur Moïse, en tant que citoyen haïtien, et capitaine du rôle président, je veux dire, même si vous indexez, les présumés innocent, faut que les gens doivent défendre tête. C'est ça ma position. Maintenant, si procès à la fête et pendant président Jovenel Moïse les sous pouvoir, comment lui-même qui indexé la peut répondre devant un juge d'instruction? Mais c'est là où et là ça ou capable évoquer la possibilité d'une démission. Problème non. C'est trop pressé, mon Dieu, trop pressé. Allô? Oui, nous là, on attend. Ah, ok, nous là. Mm-hmm. Oui, c'est là qu'on arrive dans la possibilité de démission, les que bah, là, ça arrive. Et non niveau, côté juge d'instruction, on regarde assez d'éléments pour mettre la personne de Jovenel Moïse en accusation. Et puis, là, ça, la démarche nécessaire pour que tu sois capable de déboucher sur une accusation, sur une démission. Et dans la mesure où il a utile pour faire président pays à faire devant le tribunal, même si il y a un pays qui a fait. Parce que actuellement en Israël, l'actuel premier ministre Benjamin Netanyahu a fait l'objet d'une poursuite contre la corruption. Bon, dans le pays d'ailleurs, la police même a droit pour poser une question. Mais comme bagaille là pour arriver dans le niveau crucial, il est toujours à prendre rôle comme premier ministre. Au Brésil, c'est qu'un Dilma Rousseff. Il y avait des situations, mais c'était toute une procédure. Il y a des îles de la corruption, après il y a des gonflés contre des baillements sous santé économique brésilienne. Là, il y avait des situations, mais je fais que notre transparence, côté ce Parlement, au dernier recours, pour majorité parlementaire qui votait pour le destituer, même si il y a des gens qui disent que c'est malheur politique, tout. Mais au moins, il y a une procédure de façade, même dans le pays d'Haïti. Nous choisissons un système démocratique, il faut nous respecter jusqu'au bout. Moi-même, je ne suis pas avocat, je ne suis pas défendre personne. Que tout le monde paye pour ça, mais seulement moi dis, on ne peut pas craser l'État. Est-ce que vous croyez, et Jean-Pierre Monde estime, donc président Jovenel Moïse est de plus en plus isolé. Donc il faut que nous disions qu'il y a de plus en plus de secteurs donc, qui est pratiquement à plaguer. Donc en pile monde quoi, de dernière note qui sortit, que ce soit conférence des évêques de l'église catholique ou encore forum économique et secteur privé. Donc quoi, c'est pratiquement la guerre ou la guerre, président? Bon, pas que vous avez un bouquin de la guerre. Ce sont des institutions respectables qui sont capables de parler d'opinion. Il est clair que y a un gros problème de gouvernance politique au cours de la présidence de M. Moïse. Constat est là, il y a une promesse qui va respecter, il y a une fatigue avec la présidence de M. Moïse. Bien sûr, il y a un héritage difficile, il n'y a pas du sérail. Il y a des manquements, c'est sûr, ça va vivre là, quel que soit haïtien. On n'est pas capable de dire content, on n'est pas capable de dire M. Moïse, ils sont très bon président. Il peut être en pile effort, il est en pile rêve, il est en pile bagarre, il n'a rien réalisé. Il peut être sûr qu'il a souffert de ça, mais les résultats sont là, et puis on fatigue. Et puis maintenant, l'opinion a pu dépendre, il a perdu la bataille d'opinion. Si on bataille de perdu, c'est la bataille d'opinion. Maintenant, on a pile attitude douce et attitude. Je ne peux pas me qualifier même d'opportuniste. Moi-même, ma position, je ne suis pas obligé de répéter ça, tout le monde répéter. Je ne pas croire que M. Moïse ait fait tout ça pour le faire. Mais moi, je crois tout, il faut faire très attention. Pour ne pas la pays à non brigandage et non bouillage, il faut que nous respections les procédures. Je ne suis pas contre la démission de M. Moïse. Non, pas ça. Je ne pas jamais ça. Moi, seulement dit que faut nous respecter. Respecter les États. Je dis au mandé, le démissionner, c'est comme si vous dites, faire, montrer volonté, ou faire un geste.
ou démissionner. Bon, maintenant, je dis à Jean-Pierre d'Haïti, il est là. Monsieur Maurice, pendant la parole, il a dit, bon, nous c'est un homme trop, nous allons quitter ça. Qui est-ce qui pourra gouverner le pays à ce dire? Au bon premier ministre, in between, il a, ou par contre, la politique d'affaires courantes, nous avons des bons concepts. Premier ministre nommé, par mon côté, on sort avec lui. Bon, qui compte dans la Constitution, hein, qui parlait du premier ministre nommé? Moi, tout le monde a répété, il y a un premier ministre qui est nommé par le président de la République après les consultations. Maintenant, ce premier ministre, bon, étape pour passer devant le Parlement, même fois qu'il est nommé en fonction de la Constitution amendée, il est premier ministre en attendant de les jeux naval de branche dans le Parlement. Bon, maintenant, est-ce que M. Lapin, dans cette situation, il est là, est capable d'assurer un territoire? Il y a un monde qui dit juge pour de cassation. Mais mes amis, dans la Constitution amendée, il y a une possibilité de ça. Ce que je veux dire, est plus gros force M. Jovenel Moïse, c'est incohérence dans l'opposition. Et 6 ans même dans l'opposition, c'est plus preuve de cohérence. Il est arrivé, je viens d'entendre, il est arrivé, je viens des propositions qui mettaient au plus près de la Constitution, et bien peut-être que les gens ne font pas. En plus, pas oublier que le peuple a des pressions qu'à faire, mais c'est l'État qui prend la responsabilité. Je dis à moi-même, appel moyen, son appel à la responsabilité, son appel au dialogue, que tout secteur concerné, parce que justement, nous avons des accords, que tout le monde rassemble quelque part pour nous discuter, pour nous joindre une issue à tout là, et que ce n'est pas seulement pour nous cibler une personne, mais pour surtout nous garder condition la vie du peuple-là qui a dégradé, parce que le peuple haïtien, dans sa majorité, que Moïse président, que le va président, parce que ça concerne, c'est comment la première place dit, on place ma émotion, comment le côté de la première place pour faire, côté de la première place pour travail pour faire, et c'est ça qui est côté de la première place pour le si le cyclone vient là, qui bœuf là, le qui pas là, le qui vont garder été là, il y a un temps de dire, c'est une machine, c'est victime. Yo craze ti machandise yo volo ti bay nan zone de théâtre là, moi ça fait me la peine en pile, c'est mon qui bat beaucoup perdre et me pas quoi mon ça yo té dans l'argent plutôt qu'arrivé, moi pense mon ça aussi victime et tout et ma plan son appel à faire cap dans la rue à fond veiller pour nous pas payer fouer droite dans propre genou fond veiller tout et des monde qui fourstiller qui proposer au figure leader aujourd'hui qui défend corruption. Et puis, en bas, c'est eux-mêmes qui toujours apparaissent des corruptions, parce que, pour la vérité, vous tout le monde connaît, un monde qui est ministre ou bien directeur général, seul gens pour le faire, c'est la magouille avec un monde qui est une grande entreprise. Pas un autre gens pour le faire, non. Et si que les fermes gèlent, ils battent un contrat, ils font surfacturation, ce qui n'est pas normal, ils ont la responsabilité morale et pénale, oui. Mais il y a un autre monde qui gagne tout. Et je pense que pour bagaille ça, suspend dans le pays, et tolé fait sous plutôt qu'arrivé, à me penser au moins tout le monde qui est en poste et tout l'autre monde qui aspire à venir en poste à prendre le leçon ça, l'argent l'État, c'est l'argent Sengo, sous moyen ou à pouler. Sous question Jean-Michel Lapin, il y a pratiquement une déclaration politique générale qui est censée bloquer le niveau parlement. Qui ça nous capable de dire statut Jean-Michel Lapin lié journée aujourd'hui? Est-ce que d'après vous, le gouvernement qui a mené un pays en Kounia là? C'est très difficile. Nous avons un gouvernement qui a assemblé la liquide les affaires pour eux. Pas oublier que la Constitution dit que le premier ministre qui démissionnait ou bien renvoyé à faire un poste. Vous êtes toujours là? Oui, nous là. Ah, ok, d'accord. Oui, maintenant, vous avez un téléphone. Oui, Paul est en poste. Dans le cas où, et c'était le cas, le monsieur Séyan n'a pas décidé et continue de liquider l'affaire courante. La Constitution dit que le président a choisi un ministre pour lui liquider l'affaire courante. Et le délai à l'informel, c'est un mois, 30 jours. C'est 30 jours pour lui liquider l'affaire courante. Maintenant, 30 jours, ça a passé. Et la Constitution n'a pas dit tout. Si 30 jours a passé, c'est ça qui s'est fait. C'est ça, qui fait toujours ça, le travail, député Tardieu, et nous avons un problème fondamental, question constitution, on va l'adresser. Et c'est une question pour l'élite PIA, Chita, pour nous corriger, pour nous faire société à marcher bien. Bon, M. Lapin, un mois a passé, mais entre-temps, c'est lui-même encore président choisi comme premier ministre. Maintenant, il est nommé comme premier ministre.
mais ça va lui un statut de premier ministre, mais il est sorti dans l'unité liquidée à faire pour un plan, mais il y a un déficit de légitimité, le fait que c'est avec même ministre démissionnaire, il est toujours à gouverner le pays. Allons dire, nous avons une situation d'un gouvernement et qui n'a pas encore de légitimité, mais maintenant, le Parlement a des responsabilités, tout. Mes amis, pas grand fait de Parlement, pas de séance. Gontéchien de Parlement, fait séance pour que séance-là aboutit à un vote de confiance ou un vote de non-confiance. Nous ne sommes pas capables d'en maounaï, d'en présentage. Il faut décider. De la République. Pardon? Il faut décider. Là, c'est responsabilité Parlement, un suspendre fait maounaï, prendre décision qu'à prendre, et c'est dans ce sens-là, m'a toujours campé sous question protéger l'État, pas craser l'État, à tout le Sénat, plus sembler la craser l'État, parce qu'il n'a pas fait ça pour le faire, la paix, le système en bas. C'est un côté monde qui a des bagages à chercher, pas qu'à dire ça ou vouloir, il a fait le temps parti. C'est pas bon pour l'image du pays. Par rapport avec les dernières évolutions, situation, on a gagné un très proche président, pour ne pas le nommer, le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénald Lubéris, qui a mandé le premier ministre Jean-Michel Lapin pour démissionner, pour le capable de libérer, j'en dis là, un président république là. Comment vous-même vous comprenez des marchés? Moi, j'entends ça. Moi, je connais monsieur Lubéris, mon très intelligent, c'est le secrétaire général du Conseil des ministres. Et je ne parle pas pour que ça ait du temps public. Je pense qu'on va aller comme ça, c'est capable de dire en coulisses. Et je pense que M. Lubéris a accès à M. Lapin, puisqu'il est dans le même régime. Si vraiment il y a une analyse pensant que si M. Lapin démissionne, ça peut débloquer la situation, je ne pas quoi être obligé de dire en public. Mais dans l'autre aspect politique de la question, c'est la négociation. Dans la situation où il est là, moi-même, quand on est le plus ensemble, moi, je crois que pour une négociation politique sérieuse. Même si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas capable de continuer à avancer avec la fin, vous n'êtes pas capable de la sur la place publique. Comme ça, automatiquement, le secrétaire général, le conseil des ministres, l'a dit ça, M. Lapin n'a pas avoir un sentiment encore. Même dans la négociation, vous avez dit, bon, on va blaguer M. Lapin en faveur d'un premier ministre qui a conclu le consensus. Aujourd'hui, ça, tout ça a tombé, je pense que ce n'est pas une bonne approche. Même toujours dit ça, je pense que je n'ai pas aucun problème avec M. Lubéris, mais je pense quand même que c'est une erreur de dire ça en public. Même Jean Tout, c'était une erreur. Les majorités dans le Sénat, c'est la président, c'est la position, à mon qui est en opposition. Moi-même, moi toujours pour le vivre ensemble, moi toujours dit qu'il faut nous composer, mais il y a une stratégie pour faire. Et bon, vérité, il faut me dire tout parce que les jeunes qui attendaient, ils disent que mon majorité a été prise toute bagaille. Dans tous les pays, et parti de majorité dans le Parlement, il y a un président de toute commission. Ils sont capables de faire concession, ils font ouverture, soit sur la base de compétences parlementaires, sur l'expérience. Ils font un geste de bonne volonté, mais. Vous permettez l'institution de fonctionner bientôt. C'est de bonne guerre que la majorité a été présidente de toute commission. Maintenant, si on t'applaudit quelques présidents de commission ou gens de l'opposition qui viennent doit gagner tout, parce que les sénateurs et les sénateurs, ils étaient tous faits dans le cadre d'un paquet de négociations pour que assurer leur paye nous là-dedans, là, nous pas là-dedans. Parce que ça qui a passé là, nous entendons plus de monde qui a parlé de tabou la raza, il ne faut pas gagner président, il ne faut pas gagner sénateur, pas gagner, mais après, ça qui a mené le pays, nous dans une situation, bon machine qui pèse 10 fois, qui a descendu pile beau. Et puis, passager ou du chauffeur, quittez volant, ça fait. Sans pas qu'il y ait personne qui te parle pour prendre la relève. Non, mais mon capement de lieu, monsieur Paul, mon capement de lieu dit, donc il y a déjà au Kéry pour alternative après président Jovenel. Eh bien, alternative, il n'y a pas de poche au monde d'absolu, non? Président Jovenel mourit en tant que citoyen, bien doit impliquer l'alternative là-dessus. Parce que même les états démissionnés, ils ne peuvent pas être du droit comme citoyen. Les gens qui ont des accords ou besoin, ce n'est pas un groupe, non. Ils n'ont pas autorité qui a décidé que les gens ont été président, mais pas président, c'est l'affaire de tous les citoyens. Je pense qu'il faut le faire dans une transparence. Moi-même, d'habiller, mais ouais, alternative là. Et l'alternative, elle va dans une question de personne qui ont été président, à qui peut en venir pour que, de manière urgente, nous.
nous adresser quelques grands problèmes que peuple haïtien a fait avec le problème de sécurité, problème grand goût, problème production nationale. Bien sûr, il y a des problèmes qui ne vont pas résoudre en un matin, mais pour mon côté, nous commencer. Et puis, question de renouveler l'autorité, tout le monde va passer en état. Nous allons les voir arriver dans une situation. Ou pas de parlement, ou pas de rien. Et puis, ça ne va pas mener les sociétés, mes amis. Nous ne pouvons pas la guerre, c'est mon nom de bandade. Donc, mon appel encore. 0,4% Banque mondiale prévoit pour nous. 0,4% Banque mondiale prévoit et pour question croissance économique. Là, donc, nous ne risquons pas même qu'arriver là-dedans. Ouf, bon, nous avons fait 0,0,0,0 même, parce que je dis à Mbao, ça ne marche pas en rien, ça ne marche pas en histoire, pas en rien. Tout indicateur est en rouge, c'est un constat de désolation. Maintenant, quand on fait très, très, très attention, pour nous dire que comme un cabane n'a pas dormi, il n'est pas confortable, n'a pas là. Moi-même, je parle de constat, je dis oui, il y a un problème, il y a un pile bagaille pour reprocher le président Jovenel Moïse. Moi-même, je ne vais pas dire en public, mais quand on fait très attention à Jean Lapagi, pour ne pas courir pour la pluie, tomber la rivière. Maintenant, Jean, situation li présenté le jour et jeudi, qui ça, président Jovenel Moïse, est capable de faire pour le sortir? Bon, c'est du commande. Li gagne pour li montrer, bon, des deux bagailles. Il a demandé de bailler démission, son choix, il a choisi de bailler démission. S'il n'a pas choisi de bailler démission, il y a des bagailles pour faire, pour montrer que il gagne la capacité pour continuer de diriger et il a la volonté d'ouverture. Moi-même, moi partisan d'un dialogue sans condition. Tout bagaille sous table là. Nous ne pouvons pas faire un dialogue pour nous dire ah, on va faire un dialogue là pour M. Jovenel Moïse aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas. Ou bien M. Jovenel Moïse dit bon, nous ne pouvons pas faire un dialogue là, mais puis gars, on vient parler de démission. Mais ça ne va pas chercher solution. On ne parle de démission, on vient dans le dialogue là, on a cherché le critère, ou à démarcher l'idée, ou à argumenter l'idée de démission. Hein. On a l'autre monde qui voulait continuité, là, vient avec les critères, et puis nous font un dialogue, mais dans le dialogue là, nous pas chital, soit une supposition, on dit, on qui cherche, ou pas chef encore, qui l'autre monde qui peut être chef, mais qu'est-ce que nous devons faire pour nous améliorer les conditions de la vie haïtienne, moi-même, moi, je suis en dialogue. Et dialogue, ça me tente des religions pour l'appel, dit que nous apparaissons, moi-même, ma propre et conférence épiscopale, là, c'est réservé à Moral PIA, fédération des groupes protestants, évoluissants, même mon petit challenger, il est capable de parti politique, je pense que parti politique, là, et maintenant, son appel à tous les camarades et collègues, moi, dans le parti, je ne dis pas dirigeant de parti politique encore. Mais je pense que le parti qui est au bord du pouvoir, le parti qui est en opposition, en tant que parti politique, bon, je suis à parler pour nous faire, pour adresser cela de manière responsable. Pas une question pour nous garder, pour une exclusion, ça a goût, ça a goût, ça a goût, l'autre n'a pas le bataille encore pour tourner. Pour nous chercher ensemble pour nous créer stabilité dans le pays et puis pour nous respecter le droit du peuple pour choisir le monde qui peut diriger en toute indépendance. Et en toute souveraineté. Mais certains sont capables de dire, président Jovenel Moïse, il a eu l'occasion pour le faire ça avant la nomination Jean-Michel Lapin, puisque nous connaissons qu'il était en discussion avec une série de partis politiques, il va profiter de l'occasion de ça. Oui, mais moi, je déplore ce qui s'est passé avec la discussion de partis politiques. Il y a des discussions qui n'ont pas abouti, mais il y a des gens qui n'ont pas abouti, mais des ministres, parce qu'il n'y a pas d'accord parti. Moi-même, je pense que je n'ai pas parlé de démocratie, je n'ai pas parlé de l'État, parti politique. Je vais vous dire, au contraire, je blesse parti politique. La cause, ça n'a plus, je vous le dis, jusqu'à présent, depuis que nous entrons sous la Constitution 97, qui établit notre régime démocratique pour que les gens gagnent un parti privé sous pouvoir en tant que parti. Sont pas un électron libre qui vivait sous pouvoir, qui n'a pas vraiment de préparation politique. Tout ça. Bon, nous défendons le rencontre avec le président Jovenel Moïse qui considérait cette ligne comme un accident de l'histoire. Mais c'est vrai, c'est un accident de l'histoire. Dans le sens que, il n'y a pas tout le monde qui n'est jamais impliqué dans la vie politique, il n'y a pas aucune préparation pour ça. Il vient avec le slogan banane, mon peuple a rien à manger banane, il faut être comme président. Maintenant, nous devons faire notre expérience comme ça déjà. Mais la politique, c'est un domaine complexe pour ne pas mettre n'importe quel monde dirigeant le pays. Ça va aller, c'est pas ça, va aller, M. Jovenel Moïse.
pas de qualité pour gérer le pays, puisque le peuple a choisi, mais peut-être si on peut qui a plus de maturité, si le parti politique fait travail de fait, si il y a moins de parti politique, si il y a meilleure offre politique qui sont pour côté leader politique, pour côté parti politique, entre guillemets, ou les partis traditionnels, le peuple est capable de gagner en meilleure position pour faire de meilleurs choix. Mais je dis, il y a un choix qui est fait, c'est le peuple qui fait les. Faudrait-il que dans le processus ça, nous ne pouvons pas jouer à caractère peuple-là, parce que dans certains, les filles font des décisions et puis nous-mêmes encore, nous manipuler pour nous prendre pause de parler, pour tout ça fait pas nous n'a pas réglé. C'est pour nous travail, pour le peuple-là qui a plus de capacité de discernement, d'analyse, pour faire de meilleurs choix à l'avenir. Moi, ma ville dit déjà. Opposition, hein, il fait des gains. Il fait des gains dans l'opinion, son bon bagage. Et il est capable aujourd'hui à jouer un rôle pour améliorer la situation et la ramasser dividendes dans l'élection. Parce que nous n'avons pas qu'à tomber dans une situation anarchique, côté que c'est des droits nous mettons dans la rue pour décider qui est le président pour mettre la paix comme président. Ce n'est pas ça que nous choisissons comme système. Le système démocratique, le Chita, son manifestation volonté du peuple-là, il y a un renouvellement qui doit être fait dans quelques mois pour le Parlement. Il y a un renouvellement normal qui peut être fait dans quelques mois ou quelques années, deux ou trois ans pour le président, que nous avons préparé nous, pour nous mettre des gens qui sont mieux préparés, qui sont mieux avisés, qui sont plus capables de répondre à la responsabilité du peuple là à déléguer. Mais tant pis, en nous protéger l'État, en nous chercher à parler entre nous, je dis à m'a demandé aux leaders politiques de quitter le peuple là tranquille, que ce leader dans l'opposition, que ce monde qui est en pouvoir, quitter le peuple là tranquille. Le peuple a déjà dans le grand coup, suspendre la gueule dans l'arrière. Si tu as parlé entre nous, nous avons un problème. Non? Déjà, quelle que soit la quantité de monde dans l'arrière, c'est sur une table pour le problème non, à résoudre. Quelle que soit la guerre qui peut être là. La guerre est édition, la guerre est toute bagaille, bon côté pour nous. La guerre de l'indépendance, elle est faite. Eh bien, les champs pour garder que le père du bataille là devant qu'avoir la bonne vestiaire, eh bien, tu gagnes un chita parlé qui est fait. Entre des salines et des chefs de la mer, avec chef expéditionnaire français à l'époque, et pour joindre qui Jean, l'armée française à tous les pays, etc. Il y avait tout ça, et c'est dans le fond de liberté, et c'est un accord final là. Et quelle que soit la quantité de mobilisation nous faire, c'est avant-garde et leader qui peut jouer une solution, et c'est entre nous. Pour nous faire. Entre nous qui d'accord, entre nous qui pas d'accord, on y met nos gens pour nous concilier des accords. C'est ça qui nous met équilibre, c'est ça qui nous fait nous vivre ensemble, c'est ça pour nous faire, c'est ça qui nous fait démocratie avancer, c'est ça qui nous fait peuple la confiance dans ce système démocratique là, c'est ça qui nous protéger l'image pays, c'est ça que nous souhaiter pour le pays Haïti. Sous question parlement, on séance en Assemblée nationale qui prévoit aujourd'hui hein, pour capable l'ouvrir deuxième session ordinaire année législative là, dernière année 50e législature là, donc capable dire c'est dernière session ordinaire législature ça. Donc déjà gagne menace oui pour ta boycotté séance ça et si c'est séance ça donc session pas à l'ouvrir aujourd'hui hein, qui c'est date constitutionnelle pour sa fête qui ça qui t'a capable privé sous avenir parlement, d'après vous-même? C'est un devoir constitutionnel. Tout le monde qui est parlementaire, de se prêter fermement pour respecter la constitution. Si que vous n'avez pas pris dans la séance là, pour faire l'Assemblée nationale dans la constitution et Mandel, c'est un manque de respect à peu près haïtien, vous n'avez pas eu le rôle. À mission et appeler ça, contribuer même à fragiliser l'État. Moi, je fais appel à la responsabilité à l'endroit de tous les députés et sénateurs pour respecter l'engagement au courant devant le peuple, l'engagement au courant pour démocratie avancée, l'engagement dans la Constitution. On ne peut pas mettre une séance en question. On ne peut pas mettre aucune séance en question. Parce que toute séance doit finir par un vote et par une décision. C'est ça qui est l'autorité. Et dans le Parlement, c'est qu'on a le fait. Alors, c'est un jour de dire, supposé faire, et le pape supposé qu'on ait une brigande à la dernière. Parce que nous pas capable évoluer dans société démocratique, nous qui n'avons construit l'état du droit, pour ne pas respecter constitution. Constitution dit jeudi, et c'est deuxième lundi de juin, pour mon Assemblée nationale, eh bien que tout député et sénateur viennent faire Assemblée nationale là, président Assemblée nationale là pour un discours,
pour ouvrir l'autre session, que respecter moi-même, c'est ça que moi, ouais, il devoir député à sénateur. C'est pas normal que vous-même mettez en question, que vous envisagez possibilité pour le passé. Merci, ancien Premier ministre Van Spol. Merci, c'est ton plaisir, et m'a dit tout haïtien, et au fablier, Haïti, c'est pour nous, c'est nous qui devons faire tout ça possible pour nous protéger, et nous avons l'autre gens qui avancer, c'est ranger, pas craser, si tu as parlé pour nous mettre une solution. Voilà, la fin. Voilà, la fin de la première sortie de la rubrique invitée du jour pour cette semaine au micro. C'était Darbouz Figaro à la mise en onde d'Harry Junior Désir. Passez d'excellents moments en compagnie de Vision 2000. C'était